Qu'est-ce que le cahier des charges ? Le cahier des charges est un document relatif à la réalisation d'un projet. Il sert de lien contractuel pour encadrer le projet. Il peut être utilisé pour des types de projets très divers, en interne comme en externe, pour des appels d'offres ou des marchés publics. C'est sur ce document que le maître d'ouvrage du projet indique au maître d'œuvre ses attentes. Dans le cas du non-respect de ces dernières, le maître d'œuvre peut ainsi avoir à verser des pénalités au maître d'ouvrage. À quoi sert un cahier des charges ? Dans un cahier des charges, on retrouve tous les besoins auxquels le prestataire d'un projet doit répondre. Il protège les parties de toute ambiguïté quant aux attentes du projet. Pour le maître d'ouvrage, c'est une assurance que la livraison du projet sera conforme aux attentes qu'il a mis par écrit dans le CDC. Et pour le maître d'œuvre, c'est un guide pour savoir ce qu'il a réalisé et parfois comment cela doit être fait. Quels sont les différents types de cahiers des charges ? Pour faciliter la compréhension par tous les intervenants d'un projet, la rédaction du cahier des charges requiert un certain formalisme. Toutefois, on distingue deux grandes catégories de cahiers des charges, techniques ou fonctionnels. Le cahier des charges technique est en général réalisé au moment de la validation d'un projet. Il est principalement axé sur les exigences et les contraintes techniques d'un bien ou d'un produit. Le cahier des charges fonctionnel, quant à lui, sert à structurer un projet. Sa rédaction est basée sur la norme NFEN 16271.